Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis Studio 4, la voix de l'Américaine à Washington, moi c'est Jacques Lambert-Lizère. Yon plaisir, yon l'autre fois encore pour nous ensemble pour nous présenter yon programme dans langue créole haïtien, quelques grands points cap dominé actualité. États-Unis clôture Convention nationale Parti républicain dans Milwaukee. Candidat pour vice-président, sénateur J.D. Vance, a bien pour introduire ancien président Donald Trump dans discours d'acceptation. Nous sommes sous place, Valérie Saint-Louis. Toujours ici aux États-Unis, président Joe Biden, qui gagne COVID, campé campali dans un moment division à continuer dans le Parti démocrate là, sous candidature. Et puis dans le pays d'Haïti, Premier ministre Gary Coney déclaré état d'urgence sécurité sous l'Ouest avec la Tibonite dans un discours qui mettait devant la nation hier mercredi. Moi, c'est Valério Saint-Louis, depuis ville Milwaukee, dans l'État Wisconsin. VOA Creole sous place pour porter baou reportage, actualité, information sous Convention nationale Parti républicain. Restez branchés pour toute dernière information. Valério Saint-Louis pour VOA Creole, depuis Milwaukee. Et oui, n'a pas rejoindre Valério Saint-Louis depuis Milwaukee, dans l'État Wisconsin. Jodi a son gros jour, dans le cadre Convention nationale Parti républicain, cap clôturé jodi a, eh ben, nous pral rejoindre Valério Saint-Louis. Valério Saint-Louis, jodi a, tan kou te di, c'est le clou de convention. Dis-nous non, et qui ça gagne nan soirée a jodi a? Nous connaît que gagne ancien président Donald Trump qui gagne pour le prendre, qui capable prendre la parole jodi a pour clôturer et convention. Dis-nous non, parlez-nous de programme nan jodi a. Bonsoir Jacqueline, bonsoir tout le monde qui branché. Depuis Fiverr Forum, à dedans ville Milwaukee, à soir, Jacqueline, c'est clôture, la grande clôture. D'abord, femme du Kedé, d'obnant là, depuis le matin, c'est plusieurs personnalités, plusieurs artistes, tout, qui a répété ça qui va le passer à soir. Donc, il va le mettre le paquet, Parti République, il va le mettre le paquet pour faire et grand décacheter ça. Donc, il a dit grand final, ça, nous dit plutôt, clôture, ça qui a fait. Alors, l'ancien président Donald Trump, il va le faire discours d'acceptation, nomination, il comme candidat à la présidence. Nous déjà connaissons que c'est le clou de la soirée, le clou de convention ça même. Devant rentrer et stadium là, faut nous dire, nous remarquer qu'il semblerait que sécurité a déjà redoublé parce que nous avons beaucoup plus d'agents et notamment des agents qui montaient sous bicyclette. Nous avons une vingtaine d'années qui ont fait le tour de l'entrée principale là, bien qu'à côté, du côté gauche de stadium là, nous avons tout. Il y a une ou deux monde qui gagnent des pancartes, notamment mon pancarte et un monsieur qui était Kébé Namel qui dit voter Trump c'est voter et projet 2025. Bon, monsieur qui dit voter Trump et qui n'est pas bon pour l'Amérique. Enfin, des mondes quand même qui est très. Pas pile monde, deux ou trois mondes, mais devant entrer, c'est système sécurité ça qui est établi. Je pense que sécurité qui est redoublée pour assurer que c'est la grande clôture. Mais derrière là, Jacqueline, je pense que délégué, tout le monde paraît pour gros soirée ça, qui pralouait justement ancien président Donald Trump parler et a précisé que c'est première fois, Jacqueline, que le pral font discours de envergure ça, il pral parler devant délégué en public après attentat assassinat ça que tu fais contre lui, week-end passé à Jacqueline. Et Valério, pendant convention ça, et en général, c'est et toute gros activité, c'est le soir au fait. Mais pendant un moment ça n'a pas parlé là, qui ça gagne, qui j'en sécurité a, et qui j'en circulation a fait dans la convention même? Circulation très difficile en dehors périmètre et stadium, dans côté convention a déroulé. Mais là maintenant, nous avons dit c'est de temps en temps, il y a des gens qui paraissent sous podium, qui ont fait des mises au point pour son, lumière, et tout est sous les arrangements, c'est ce qu'on a fait pour assurer. Et puis, évidemment, il y a un média qui là, un grand nombre, par contre, si vous doublé pour assurer, mais nous avons une quantité de médias qui déjà a PC, ouais, si vous êtes capable de positionner, puis vous capturer le moment, ça, Jacques, après le passé assurer, au moment que pile mon apton, Parti républicain, j'aime c'est dit tout à l'heure, là, m'a répété pour me dire que vous parlez, puis vous mettez le paquet à souhait. Et puis, si vous permettez, Jacqueline, d'aller dans la programmation à souhait, une programmation quand même très achalandée, gagner un programme qui peut le présenter. Surtout que thème n'a retourné encore une fois. Thème qui est censé, c'est thème que Donald Trump lui-même choisi, c'est thème préféré. Il retourne avec elle pour clôturer la convention. Ça. C'est Make America Great Again. Donc, c'est thème ça. Donc, fait Amérique, rend America plus grand encore une fois. C'est thème là qui, évidemment, peut le développer par plusieurs. Leader, même parti républicain qui va le défiler sous podium. Non, mais ça qui est intéressant dans la programmation, Jacqueline Fomdjou, il y a des mondes qui sont intéressants. Il y a des noms des titres qui sont faits, des mondes, des personnalités qui sont représentant Richard Hudson, qui est président du comité national pour le congrès républicain, qui lui-même, évidemment, après la parole, c'est le parti républicain qui a l'honneur à soi. Nous joignons Mike Pompeo, ancien secrétaire d'État, pasteur Lorenzo Sewell. Nous avons Alina Haba. Alina Haba, c'est un avocat qui fait partie de l'équipe de Donald Trump qui a défendu, nous songez, dans la Cour Manhattan.
Ridley, ça, il était en face et la justice américaine dans la cour New York. Nous gagnons une personnalité et public de la télévision, Tucker Carlson, qui lui-même, c'est fondateur Tucker Carlson Network, qui a pris la parole tout, hein, nous voyons que des personnalités connues, et puis voilà, une personnalité de sport qui est très connue, puis monte qu'on est Hulk Hogan, qui c'est un lutteur, et qui était très connu à l'époque, c'est un artiste, un professionnel lutteur qui prend la parole lui-même tout. Franklin Graham, président directeur général Billy Graham, ou évangéliste, qui va parler tout. Et puis Dana White, qui c'est PDG Ultimate Fighting Championship. C'est comme si avec Hulk Hogan, avec Damsa qui a la tête UFC, qui c'est une association sportive de combat, vous voulez peut-être, hein, certains observateurs disent que vous voulez peut-être dans son message que Donald Trump, son combattant, son nez qui gonne goumet et son nez qui certainement vaillant. Et puis finalement, petit garçon, Eric Trump pral parler et la personne en question, l'ancien président Donald Trump, pral accepter nomination comme candidat parti républicain, Jacqueline. Une soirée vraiment bien achalandée. Yo paré à soir là et nous-mêmes tous, Véwa Creole, nous sous place, nous paré pour nous porter le barou en direct à soir, Jacqueline. Et Valérie Hogan, analyste qui dit que Madame Trump, Melania Trump, libérée, pas absente, pas connaissez la place à soir. Tout à fait. Li absente encore une fois à Souya. Et pas seulement à Souya. Depuis le commencement de la convention, il y a pas li. Et analyste, il y a observateur, ça a fait remarquer que même dans la campagne ancien président, il y a pas oué présence ancienne première dame. Melania Trump absente, c'est peut-être un bagage que pile moun remarqué. Il n'y a pas parlé trop de li. Nous remarquons même à côté de Donald Trump depuis toute l'heure que la convention a commencé. C'était soit et petit petit li. Et notamment hier, on parlait de petit petit fili qui c'est Kai Trump qui te prend la parole. Et donc la famille Trump défilé sous podium. Mais madame, ancienne première dame, non, li absente et observateur mentionné ça. À ce li par là, li pas même programmé pour le parler. On se demande bien, dans la petite observateur et moun qui analyse, chercher information plus pour qu'on ait ça passé, ancienne première dame, non, Jacqueline. Et puis, Valérie Saint-Louis, hier, c'était jour côté que, vice-président et Vince Tap lui-même a fait discours d'acceptation dans un discours qui semblait tête coupée avec et classe sociale, classe moyenne. Nous parlons au jeune Valérie Saint-Louis qui a dit nous plus. Dans le premier discours sous scène politique nationale, la vice-président Donald Trump, la sénateur américain J.D. Vance, te paraît un petit genre agressif. Nous finis à question de importer main-d'œuvre étranger. Nous parlons gourmet pour citoyens américains et puis pour bon job à bon salaire. J.D. Vance relativement pas trop connu à travers pays États-Unis. Vance était décroché un diplôme dans Yale Law School. Il était servi dans l'armée américaine pour 6 années. Il était servi dans poste électif pour à peu près 1 année et demie. Dans la troisième soirée convention républicaine, c'est madame ni Usha Vance qui t'est présenté. Comme moun que choisi pour aider diriger pays nous qui a traversé quelques dans plus gros défis, moi reconnaissant à nous toutes pour confiance que nous mettez dans lui. Mercredi soir, c'était une chance pas seulement pour J.D. Vance présenter tête li by peuple américain en public, mais tout pour prouver qualification li sous politique étrangère li. Ensemble, nous allons assurer nous que alliés nous partager fado pour garantir la paix dans le monde. Pas bien si tirer encore pour nation qui trahit générosité contribuable américain. Il y a quelques délégués qui dit que manque d'expérience Vance pas trop dérangé. Walter Goodwater, c'est un délégué républicain qui sortit dans l'État Texas. Vraiment, ça n'a pas élu ici, là, c'est un potentiel leadership. Et il prouvait que il y a un potentiel leadership. Et puis, il n'y a pas un ancien grand monde rat d'Ocalé. Il y a un autre délégué qui a même pas de problème à critique que le fait dans le passé contre Donald Trump. Lori Schaefer, c'est un délégué républicain dans l'État Illinois. I love that he's young. Moi, j'aime que les jeunes et puis les cas adaptés et puis les embrasser l'idée de l'Amérique avant tout. Ça que moi apprécie tout. Moi, pense que en bas tutelle Donald Trump, les cas font bon vice-président. Dans une soirée convention qui était concentrée sur fait Amérique fort encore, petit garçon Donald Trump t'a résumé choix que électeur a fait face avec eux. It's a choice between people who are proud of America and c'est un choix entre monde qui fier de America et monde qui honte de America. Et puis finalement, c'est un choix entre America en dernier et America en premier. Convention nationale républicaine pour le faire jeudi à Assoué avec discours acceptation candidat républicain pour président Donald Trump. C'est pour la première fois que le pral parler en public depuis après tentative assassinat ça qui était faite contre lui. Pour VOA News, Catherine Gibson, adaptation créole Valerio Saint-Louis, depuis Convention nationale Parti républicain en ville Milwaukee, État Wisconsin.
Et puis toujours dans actualité électorale là ici aux États-Unis, gain président Joe Biden, et ben l'a travaillé à distance après la Maison Blanche annoncé l'y contacter COVID-19. Jean-Robert Philippe, dis-nous annonce sa fête dans moment, et ben pression a augmenté sous locataire Maison Blanche là et passer mettre là bas l'autre monde pour aller dans élection novembre Kavin là. Jean-Robert Philippe. Président Joe Biden a résisté à appel pour l'abandon des courses pour le représenter Parti démocrate là dans l'élection présidentielle novembre, mettez-le en quarantaine après il testé positif pour COVID-19 d'après annonce la Maison Blanche fait. Annonce en fait pendant président a mené campagne dans Las Vegas, Nevada, côté il était gain pour lui rencontrer organisation Latino Unidos US pour parler sur question qui affecte yo. Responsable organisation ça a été annoncé à l'assemblée que président pas venir encore à cause il était c'est positif pour COVID-19. Pendant les mandats, pour me dire nous, il n'y a pas capable d'éliminer le vide comme ça. Jusqu'à ma annonce, la présidente a visité un restaurant mexicain pour lui saluer et puis faire quelques photos avec clients. Après, il a participé dans la convention annuelle NAACP avec électeurs noirs. Pour qu'on y a, le président retourne la caille dans Delaware, côté lui isolé tête lui. L'idée majorité dans le Sénat, Chuck Schumer, t'a déclaré samedi, le président, pendant une rencontre que le TAP fait, lui, TAP pi bon pour pays avec Parti démocrate là, s'il mettait fin dans la campagne pour électionner. Hier, mercredi, il y a député démocrate. Que il y a un pile, secteur, un pile, mon congrès, à boire un pile, on dit plusieurs, mon congrès, avec donneurs, bestiaux, cap dit, cap mandé pour Joe Biden, resign, plus que yo ka mette yon lot candidat nan passé. Débat sa yo a fait malgré Parti démocrate a gen plan pour li nommer président officiellement nan vote virtuel qui donc sur internet là nan commencement mois d'août là avant convention parti a kap démarrer 19 août nan Chicago. Kek leader nan convention nationale Parti démocrate la mandé responsable yo pour repousser décision pour une semaine. Pendant ça, président Biden dit, il n'est pas cédé parce que il croit, c'est celle lui-même qui est capable de battre Donald Trump dans l'élection présidentielle novembre 2024, là. Jean-Robert Philippe, VOA Creole, Washington. Merci, Jean-Robert Philippe, ou toujours sous VOA Creole, ou suivi un programme dans la langue créole haïtienne, après t'es toujours dans l'actualité électorale haïtienne aux États-Unis, côté grand pile réflexion qu'a fait sous projet 2025 que Heritage Foundation présentait en couillon deuxième révolution. Révolution Sandra Lemaire. La campagne pour présidence, là, ça gagne 8 ans de ça. Donald Trump te promet pour gérer bureaucratie Washington. Là. If I'm elected president, we are going to drain the swamp in Washington, D.C. Trump est cementé pour nettoyer, qui donc éliminer tout le monde qui impose la politique gouvernement doit suivre, mais qui pas répondre à la présidence là. Kounia, il y a un plan pour faire que 100 groupes conservateurs et d'il créer. Project 2025, projet 2025 que groupe Zelle Droite Heritage Foundation publié, by instruction sur qui j'en pour détruire l'État administratif là. Président Heritage Foundation, Kevin Roberts, averti processus application capable de tourner violent. Nous en processus deuxième révolution américaine qui peut dérouler sans aucun sang pas couler si gauche l'a pas empêché nous. Après commentaire piment bouc ça, Trump a essayé écarter le projet 2025 et puis insisté, il pas qu'on a rien sous lit ni auteur lio. Directeur projet à Paul Dance déparaît sur réseau C-SPAN côté il pas quitté aucun doute ses paroles avec idée Trump qui t'ait inspiré projet à. He was president for 4 years, so so many of the ideas. Il était président pendant 4 ans, donc en pile dans idée sorti dans travail original. Donc on t'a même quoi en pile bagaille lié à premier mandat Trump. VOA Mother Heritage Foundation you interview. Institution a dit li pa gen aucun monde qui disponible pour parler avec nous, mais li voye par courrier électronique ou déclaration qui souligne projet 2025 pas représenter aucun candidat. Projet 2025 cherchait éliminer frein à contrepoids monde tant que James Madison, Thomas Jefferson mettait dans constitution, c'est-à-dire séparation pouvoir exécutif, législatif et judiciaire d'après Will Marshall qui s'est président Institut politique progressiste là. Madison and Jefferson ought to be spinning in their graves. Il dit Madison et Jefferson t'as dû rouler dans ton boyau aussi au cas où quand c'était pouvoir y ouvrir by prochain président. Et si président ça, c'est Donald
Trump, c'est pas un cauchemar pour le pays, si vous considérez que j'ai mal géré le pouvoir fois passé. Campagne réélection président Joe Biden fait projet 2025 tourner en cible principale. L'établit un site internet séparé pour critiquer et puis souligner réaction médias libéraux. Critics are calling it the fascist playbook. Les critiques auraient lu le livre de jeu fasciste. Et l'État doit y avoir une raison si ce n'est pas seule raison pour aller voter en novembre. Plan largement mandé pour couper financement gouvernement pour énergie renouvelable et changement climatique. Il a éliminé département éducation. Bureau fédéral investigation, FBI, a subi gros remaniement. Même genre qu'agence américaine pour médias global qui gérait la Voix de l'Amérique. Reportage Steve Herman, traduction Sandra Lemaire, VOA Créole. N'a pas quitté actualité électorale et politique là ici aux États-Unis pour l'aller dans international là côté et ben dans pays Kenya chef police provisoire et justifié yon interdiction contre manifestation dans capitale là Nairobi. Nous gain Gentil Augustin Junior qui gain détail. Dans fin journée mercredi 17 juillet 2024 là, chef police provisoire Kenya Douglas Kanja Kerocho dit que gen preuve que li ka fè confiance qui montre groupe crime organisé qui planifié pour prendre avantage dans manifestation k'ap fèt yo pour lancer attaque tant kou fè piyay. Li di nan yon communiqué li pa autorisé aucune manifestation dans centre quartier commercial là dans Nairobi ak zone alentour yo sans dit pour jusqu'il est pour assurer sécurité publique là. Malgré ça, quelques militants lancé appel pour moun rassembler ak équipement kan nan pak ou qui collé ak centre quartier business là. Nous voulons li pren responsabilité nous. Route doit aller. Ça c'est youn parce que li pa rive pren responsabilité pour nous comme peuple. En pile manifestant a mandé pour Route démissionner. Yo accusé li pour mauvaise gouvernance, corruption ak la mort plusieurs dizaines manifestants dans rassemblement qui était fait déjà contre gouvernement. Route très incompétent. Li pa gen aucune compétence dans gouverner. Li seulement vle titre président pays ça. Nèg ça, c'est un mannequin pour FMI. Quel que soit ça li fait li pour Fonds monétaire international. Li pa dirige pays ça dit tout. Manifestation yo te créé pi gros crise qui rive dans deux premières années président William Ruto sous pouvoir et yo te continué malgré gen moins moun nan yo kounye ya. Même après président te retiré projet pour mettre 2.7 milliards dollars augmentation taxe sous pays ya et puis révoquer presque tout gouvernement liya. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Merci, gentil. Restez branché. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer vous. Actualité à mener nous dans le pays d'Haïti. Côté policier Kenya yo, avec yon unité spéciale dans la police nationale là, et bien yon mené opération dans le pays d'Haïti. Nous gagnons sous place Steven Aristil. Plusieurs policiers kenyans qui étaient accompagnés à quelques agents dans l'unité SWAT ont mené une opération de reconnaissance dans quelques rues qui se situent dans la centre-ville Port-au-Prince hier mercredi 17 juillet 2024. Dans le souligné pour le public, l'opération s'est lancée 24 heures après deuxième contingent kenyan arrivé dans le pays. Nous avons remarqué plusieurs chars blindés et police kenyan ont tiré leur arrivée dans la zone rue des Kazen. Jusqu'à présent, pas eu aucun rapport ni bilan qui sorti sur l'opération. Pita n'a assoué. Premier ministre Gary Conille déclaré état d'urgence sécuritaire sur 14 communes dans le département de l'Ouest à Katibonit qui en bas contrôle gang exam yo. Il était tout profiter occasion ça tout pour demander journalistes médias en ligne yo pas suivre et pas couvrir opération policière gain pour mener contre gang yo. M'a profiter dit nous tout pendant m'a saluer gros travail journaliste surtout dans médias sociaux cap couvrir sous qui gens la police acclamé à protéger population m'a demandé yo éviter faire reportage qui bay bandi yo information sous position force l'audio à qui gens opération yo a déroulé quitte reportage en direct quitte li pas en direct. Merci Steven Aristil depuis Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique.
prend la parole hier soir côté l'abordé plusieurs questions, notamment question sécurité. Et tant que nous sommes tendus là, eh ben, il déclarait état d'urgence sécurité pour deux départements, l'Ouest et la Tibonite, dans quatre décisions pour couper gang. Et puis, dans le cadre de réaction sous discours ça avec décision état d'urgence, ancien sénateur Patrice Dumont bat bravo pour décision. Il y a un reportage, Renat Toussaint, depuis Port-au-Prince. État d'urgence pour le gouvernement, outils et instruments nécessaires pour agir, couper les bandits et puis rétablir l'autorité de l'État. 14 communes concernées par mesure ça. Premier ministre Gary Conny n'a eu adresse à la nation dans la soirée mercredi 17 juillet 2024 l'an qui annonçait état d'urgence sécuritaire dans deux départements géographiques pays d'Haïti, la Tibonite avec l'Ouest, avec dans 14 communes région Sayo. Yon démarche en termes réaction qui joignent approbation ancien sénateur Patrice Dumont. Premier ministre qui parlait hier soir et gouvernement dans son entièreté, c'est en bonne mesure. Moi-même, moi, quoi, la facilité, travail, et police, là, que c'est au niveau, t'as dit, police nationale, là, et au niveau, Kenya, yo. Et, en fait, faut nous parler d'une seule voix. Kenya, police nationale, et la Médaïti, et puis, population, hein, pour nous sortir d'une situation terrible, ça, que population Haïti a hier. Mais, en tant que ancien sénateur, Patrice Dumont, qui ça état d'urgence sécurité a yé. Nous voyons que Premier ministre Gary Conny pas bah trop de détails sur ça. État d'urgence, c'est une décision d'État qui limitait et liberté individuelle. C'est ce qui est important, qui limitait certains droits compte tenu de une situation qui gagnait, qui exceptionnelle. Situation était capable, c'est un gros moment cyclone. Il était capable, c'est tremblement de terre là. Et à ce moment-là, pour être capable de rétablir l'ordre, il faut qu'il prenne des mesures exceptionnelles. État d'urgence là, c'est une mesure exceptionnelle. Il doit même arriver dans une situation d'état de siège. Parce qu'en fait, c'est dans la guerre que Gagnon met le pays d'Haïti. Ancien parlementaire souhaitait gain bon genre harmonisation entre 9 membres conseils. Présidentielle transition, avec Premier ministre Gary Conny, n'a prise décision d'État. Où est-ce tout ça? Pour VOA Creole, Port-au-Prince. Et bien, toujours dans le pays d'Haïti, gagnant ULCC, lui-même, unité lutte contre la corruption, l'a mené enquête sur plusieurs ministres dans l'administration, ancien Premier ministre Ariel Henry, Yves Manuel. Unité lutte contre corruption ouvre une enquête sur 5 ministres dans l'administration ancien premier ministre Ariel Henry. Information ça sorti bon côté une source nous capable faire confiance, c'est ça journal Le Nouveliste rapporté dans date mardi 16 juillet 2024 là. Selon journal là, source là fait connaître ULCC a enquêté sur ancien ministre affaires sociales, ancien ministre intérieur concernant dossier direction immigration et émigration. Enquête là concerne tout ministre travaux publics, transport et communication. Enquête la concernée, ministre haïtien qui vivent dans pays étranger et affaires étrangères concernant représentation dans pays étranger. Enquête là déclenché soit par signalement, soit par saisine d'office, selon ça, journal là fait connaître. Ministre affaires étrangères et culte, Dominique Dupuis, récemment mandé à ULCC pour mener une enquête sur ministère dirigé, ministère affaires étrangères, sans compter ministère haïtien vivant à l'étranger. 24 juin 2024, qui saute passé là, Madame Dupuis écrit à directeur ULCC, maître Hans-Ludwig Joseph, côté le mandé pour ouvrir yon enquête qui couvre période octobre 2021 à juin 2024. Chef gouvernement Gary Conny récemment annoncé li pral pran rapide en série de dispositions pour capable courir derrière phénomène corruption nan mitan administration publique lan. Une décision qui fait suite à une importante rencontre qui était organisée avec experts national cadre fonction publique en matière gestion efficace et bonne gouvernance dans pays et surtout bataille contre corruption. Pour renforcement gouvernance là et transparence pendant période transition, Dr Gary Conny fait connaître gouvernement l'a dirigé a travaille sans prendre souffle pour capable montrer de plus en plus transparent
et puis intégrité dans gestion affaires publiques pays. Moi c'est Emmanuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. ONU Femmes publie un rapport sur situation à calamité femmes actifies qui vivent dans abri monde déplacé. Marie-Louis Pierre gagne détail. D'après un dernier rapport ONU Femmes, condition la vie tête chargée avec manque de sécurité, 300 000 femmes actifies déplacées yo vinn pi grave à cause instabilité politique qui a continué. Violence gang qui a augmenté avec saison cyclone qui menaçait îles Caraïbes la pi plus. Avec femmes actifies qui représentaient 54% dans 580 000 moun qui déplacés en dedans pays à Haïti, nouveau évaluation rapide sexe l'ONU Femmes montre qui gens quand yo gain nécessité pour éléments de base moun utiliser et puis femmes actifie toujours à vivre en bas menace violence sexuelle. Rapport qui fait dans plusieurs sites dans la capitale la Port-au-Prince qui gagne plus monde montre pi fort quand yo dans blackout. Yo pa gen toilette et moun sa yo qui nan kan sa yo a vivre chaque jour en bas menace gang armé. C'est un danger tous les jours côté balle qui prend la vie moun qui donc moun sa yo nan gros nécessité pour protection et sécurité. Agression contre femme actifie pi spécialement viol. Ces amis ont utilisé dans pifokanyo comme une tactique bien calculée pour contrôler possibilité pour femmes joindre une assistance humanitaire qui disponible. Sondage ça qui fait sous seulement 2% femmes rapporté yo gain you all leadership dans gestion site déplacé yo et il est urgent pour garantir participation active femmes actifies dans prendre décision dans kanyo et puis mettre en place mesures protection immédiate pour femmes actifies qui a fait face à menace chaque jour. Directeur exécutif l'ONU Femmes, Sima Baou, déclaré rapport nous en dit nous, niveau insécurité et brutalité, parmi aux violences sexuelles, que femmes a fait face en bas mais gang armé en Haïti, pas gain pareil. L'île est suspendue, courrier là. Nous encourager équipe qui fait monter sous pouvoir pour prendre mesure pour faire face à la violence sous femmes actifiées ou subies. Et puis, augmenter participation femmes yo, dans gestion quand yo, pour qu'à coûter inquiétude yo, sous sécurité yo, et puis agir sous yo. Aide humanitaire doit distribuer sans danger d'après besoins différents femmes actifiées yo. Sondage a révélé tout, plus passé 88% dans femmes yo interviewé yo, pas gain aucun sous-revenu dans quand yo. Qui donc, plus passé 10%, dit obligé la gecoyo dans prostitution. Ou soit, yo envisagé fait possibilité pour faire même une fois, pour faire face à besoin yo. Environ 16% femmes yo étaient interviewé dans cadre sondage ça, dit yo senti yo intimidé, menacé, traumatisé devant gang armé violent et 70% déclaré que yo affecté mentalement à cause violence là qui augmentait. Seulement 10% femmes yo étaient interviewé yo, dit yo gain accès à soins santé dans comme on déplace. C'était un résumé rapport nouveau évaluation rapide sexe l'ONU Femmes qui était réalisé grâce à un questionnaire qui a été interviewé 98 moun et fait discussion avec 140 femmes actifies. Marie-Louise Pierre, VOA Créole. Merci Marie-Louise Pierre et c'est là n'a mettez fin dans programme là mais nous go programme spécial à soya dans occasion clôture Convention nationale parti républicain et Asroya, ancien président républicain Donald Trump a bien pour prendre la parole pour accepter nomination parti affaire de lui pour les aller représenter parti républicain dans élection qui fixée pour 5 novembre 2024 là et dans mois d'août là pral gain et convention nationale parti démocrate là. Et nous content de ce que nous t'ai servi ou pas oublier pita Asroya n'a gain un programme spécial à partir de 8h30. Moi c'est Jacques Labelizer, on merci Franklin pour participation, Jean-Marc Hervé Abela, Sambilier Hélène Bonzamino. Donc Kebela Palagé, c'était VOA Créole. Exact. Surtout pour les journalistes nous yo. Pourquoi arriver là? On met avancé mais pourquoi arriver là? On met avancé avec. On a besoin pour dire monsieur yo. On a besoin information c'est vrai. Mais trop risqué, pas trop bon, li pral permettre que corporation de presse pral gen trop parle en pile, yo déjà qualifié en pile couvre yo comme si veut rapporter pour bandi, nous besoin très prudent. Même les citoyens
cartouche marionné en bas la ville, nèg voltige, nèg couri, nèg parler, nèg envie maron, chef gang a mettre pression sur petit bandi petit. La situation bah là commencer marrer. Oui. Bah là commencer difficile. Ouais. Pour bandi yo. Oui. Pays a commencé changer camp. Tant que j'ai regardé image yo. C'est ça me connaît, on te compte tout temps dit moun yo. Bien espoir. Pays d'Haïti, il faut qu'on fini. Et pays a pas pour bandi, moun sérieux qui fait tant dehors, il y a bien pour retourner la caillou. La situation. Désir Jean bien dit tout à l'heure, qui en pile considération de pral faire de et premier signal ça, premier message ça qui arrivé et jeudi mercredi 17 juillet. Les petits messages qui voient, messages qui viennent jouer, non? Ni bon côté population haïtienne, non? Ni bon côté gouvernement, conseiller présidentiel, yo? Et bon côté officier kenyan et policier, nous, yo? Bon côté bandit vivant ensemble. Grand pile message que nous allons regarder à travers première image vidéo, ça. C'est vrai, nous avons vidéo déjà, sur plusieurs médias, et dans le commencement émission, là, nous avons commencé à faire nos gardes. Mais, je vais mettre PDRT à passer vidéo. Parce que, moi, avec des Ibanez, nous allons faire analyse et nous allons faire considération de vidéo ça. Le bagage des Ibanez, gagner le gouvernement à travers un relais au conseil et des ministres. Alors, conseiller, puis gouvernement et Gary Kounina. Ils ont annoncé, ils ont décrété un mois d'état d'urgence sécuritaire sous pays. Un mois d'urgence sécuritaire et sécurité sous pays dans 14 communes. Et 14 communes, ça y est, 11 dans le département de l'Ouest pays et 3 dans le département de la Tibonite. 11 dans le département de l'Ouest pays et 3 dans le département de la Tibonite. Et c'est pour un mois d'état d'urgence renouvelable. Nous allons garder ça, Désir Venez. Et puis l'autre information, nous allons analyser et nous allons demander, les amis internautes, nous désir. À travers l'émission Calfou Vérité, les amis qui suivent nous en Haïti ou à l'étranger, pour nous réagir avec nous à travers les commentaires. Désir, pendant que nous avons fait l'émission, nous avons fait débat, nous avons fait analyse de temps en temps, mais les techniciens nous ont permis que pour nous garder de temps en temps en image comment que officiers kenyans, comment que policiers nous ont déployé dans la rue des casernes, dans la rue du centre, en bas la ville. Et nous avons dit, ça qui est là, c'est pour de bon. Désir, nous avons connu le premier bâtiment pour nous annoncer, après ça, pour nous entrer dans l'émission. Militant politique Ken Sonje a été arrêté dans le pays d'Haïti, Kilik est arrivé dans terre étrangère, États-Unis d'Amérique, Hero Heights, arrêté monsieur mercredi et 16 juillet 2021 dans Indiana, où jusqu'à présent personne ne connaît raison arrestation militant politique Kilik qui dans le pays, les États-Unis, les situations ne semblent pas pour vous, monsieur. Même en Haïti, depuis monsieur essaie d'entrer dans le mouvement politique au libre code, mais beaucoup n'y arrivé dans le pays, les États-Unis d'Amérique, eh bien, il a arrêté militant politique Kilik. On a posé la question, qui ça qui est à la base? Mais beaucoup n'y a les situations dans le département de la Tibonite, population a toujours été mobilisée. Décret qui annonce, qui prend le sorti pour état d'urgence que le département de la Tibonite là-dedans, là, lui déjà commencé à citer en pile débat dans le niveau département de la Tibonite. Respectivement, dans la commune Sirigière, la commune Lyoncou, à la commune Lester, sous tendu parler des trois communes, sans doute ces trois communes ça, qui t'a doué à l'idée de l'ensemble autorité pour décret pour annoncer état d'urgence. Ensemble, nous qui dans la commune Sablesse, ils ont déjà préparé à travers des organisations pour au moins. Yo bay information que autorité yo capable besoin pour faire travail que yo pral gen pour yo faire les personnes. Jodi a dans cette opération nan mete pied à terre officier kenyan yo li symbolise plusieurs bagay les personnes. Songez ces 400 officiers kenyan qui tout simplement rendent dans pays ou tout rentrer ou tout rentrer ou tout rentrer ou mettre pied ou mettre pied non attendez non blesse nous besoin garder dès ce premier officier qui t'est arrivé, il t'est laissé à désirer. Okay. Il t'est laissé avec monde pour monde questionner qui ça officier kenyan ou vienne faire, qui te permet de dire à sa tête que tu as dit, mon cher nègre commence à manger dans l'argent qui lié avec mission. Nègre commence à danser, nègre commence à boire, il commence à bien vivre, il commence à jouir sur les noix. Peut-être qu'il doit aller dans le pays qui pas même qui ça ou vienne faire en dedans pays. Mais annonce avec ensemble des chats. Ensemble de blindés, MRAP sa yo, qui vive près la rien, les personnes, lui normalement annoncé, gain des bagages sérieux pour le planifier. Kounyer, est-ce que pas gain des barrières, pas gain des ponts,
entre policiers haïtiens avec officiers kenyans. Est-ce que ensemble policiers ça yo yo pral parler par les gestes ou bien yo parler anglais que monsieur Kenyan pral comprendre? Est-ce que monsieur Kenyan comprend créole blessé tes bien que me d'aller avant tout désir bien que me apprendre que tu gagne pile dans tout yo te commencé à apprendre ti français même les qu'on est français pas trop long pour yo mais tu commencé à apprendre parler français parce que moi certain en pile dans policier nous yo y a capable échanger avec officier Kenyan yo et en français bon gagne capable échanger en anglais tout même les qui pas trop kembe mais quand même moi c'est que y a un canal de communication parce que et pendant ça désir parce que pas me dit ça. Et dans l'émission que nous avons fait dans le mi-temps junior, dans Chablende, ce n'est pas seulement officier Kenyan. Et nous avons ça, nous avons que les que les gars descendent à monter Chablende, il y a des policiers qui, policiers Andy, Utak et Swatim qui sont avec les gars. Donc nous connaissons que, en dedans Chablende, pas seulement des policiers et Kenyan, parce qu'il va oublier, les Kenyans par contre dans la ville, par contre pays, par contre couloir, par contre ensemble des spatiaux, ça veut dire que faut qu'il y ait des policiers haïtiens et dans différentes unités qui vont accompagner au désir. On va avancer parce que nous avec ce qu'on dit. Très bien. Et le bas que nous regardons tout, et le président Biden a une décision pour tout, ça est important. Ça nous demandons pour mettre interdiction sous modèle ZAM qui était tenté d'assassiner président, ancien président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump. C'est ça que Joe Biden essaie de demander pour mettre interdiction. Et nous avons fusil ça, c'était un fusil AR-15 qui était essayé de tirer sous ancien et président pays des États-Unis d'Amérique qui pratiquement candidat pour élection pour quelqu'un pour arriver là. Et c'était juste une petite parenthèse dans information peut-être pour quelqu'un pour nous garder. Mais je dis à la situation de penser focus sur la police avec officier kenyan qui pratiquement menait une opération. Est-ce un cadre d'opération ou bien intervention? Mais il était dans la rue, il était en bas de la ville là côté la police depuis un bon bout de temps pas de arriver. Est-ce que ça prend Kembe pendant toute semaine non? Ou bien pendant tout week-end, non? Qui résulte à sa baille, n'a pris tant d'autorité dans la police pour au moins faire un bilan des premières sorties officiers kenyans avec la police. Qui s'appelle le bail? Est-ce qu'elle baille l'espoir de qui choisit qui a fait? Est-ce qu'elle baille l'espoir que la vie a bralé tout tout bon vrai dans la capitale là? La situation nous compte, ouais. Population, t'es aux anges, t'es accompagné. Ou de ouais, que population, c'est un coup de carnaval. T'as coup blindé, yo considéré t'as coup des chats musicales qui dans carnaval. T'es ouais, moun t'es en vie. Marcher des chasseurs, des blindés. Est-ce que ça, c'est son comportement? Est-ce que c'est son mauvais comportement? Nous pouvons regarder l'ensemble avec les amis internautes et haïtiens en général. Pour être capable de comprendre quel modèle de comportement qu'il doit gagner dans le cadre de l'ensemble opération ça, pour ne pas gagner trois victimes collatéraux. Parce que si c'est comme ça, que nous fait, je dis à cette personne, nous avons gagné en pile victimes dans la population, c'est à faire nous-mêmes. Nous avons fait un travail de formation et de renseignement pour la population pour connaître qui comportement qui doit gagner dans le cadre d'opération qui va gagner pour venir dans le pays à cette personne. Désir Venès, bon, c'est que moi, avec un jour, je dis ça, et moi, je suis en train de faire hier, nous avons dit que nous-mêmes ici, nous n'avons pas fait une belle personne. Officier que nous avons commencé le travail, n'a dit ça ça va faire. Yo chita tout na base yo a parler ouais surtout na petit bagage l'agent là. De même pour la police, de même pour le gouvernement Konilan, de même pour CPT. Mais image qui vient joindre nous et même Jean-Pierre Zami ouais sur réseau hein? Et même Jean-Pierre Zami ouais tout sous et mais ça nouvelle commence mes missions. Hein? Livre dit qui ça? Livre dit que d'abord que ça qui est là comme insécurité, il n'y a pas petit. Ça qui est là, en bas de la ville, l'aime dit en bas de la ville, tout, oui, qui en bas la, tout en bas de la ville en net. Sorti de, on dit, zone et la saline, quoi, beau sale, prend arrivé toute zone Mariani, toute zone Sayo, mais il n'y a pas petit. Et moi, c'est que, je me dis ça bien. Et ça m'a dit, à comprendre bien? Officier kenyan yo, nèg yo al pran baptême de feu yo. Ma kon yo d'accord avec nous, dès samedi. Et ma kon si zami captain de mieux d'accord avec nous. Et comprendre bien samedi, par exemple, lundi, yal pran baptême de feu yo. Ou mou ki sa? Parce que c'est diable di yo. C'est diable di yo, yap gade nan image dans télévision, bagay sa yo. Mais yo pot ko descend vraiment côté. Qui a problème nan. Parce que premier groupe de sacté vini yo le 25 juin nous te wè que c'était zone nason en bas mon dédé bon l'église pasteur chéri bon c'est local et ancienne université GOC c'était douvan ambassade américaine dans tabar c'était Kafourita Kafouklesine c'était zone sa yo
Kente wè, premier groupe 200 officiers kenyans en pile en tape défilé. Et c'est ça, les ça. Peuple haïtien te vinn sa. Les gars, c'est flan de vinn flané parce que vraiment zone qui zone rouge yo, nèg di yo poko envahi dans zone ça yo. Nèg yo poko rive dans zone ça yo. Mais les que journée te mercredi 17 juillet, nèg yo décidé avec la police mettez 7 blindés MRAP de yo avec de leur blindé pour nèg yo sorti dans base yo, passer out aéroport, kafou de l'aéroport, passer nazon et descendre en bas numéro je la lu, descendre bas et sous bois Verna, passer en bas et Chanmas, commencer rivé dans rue des casernes, sous grand rue hein, les nèg yo pral commencer déployer coup de balle pété. C'est vrai, n'a regardé en pile là officier kenyan qui était à Moutécha. Donc comprendre. Nèg yo c'est militaire yo, c'est soldat et officier yo. Des boutons de bruit balle la nèg a broumé pas oublié. Des boumou ou pas dans guerre encore. Des boumou ou pas soldat encore. C'est normal si que bruit balle cap qui passe par là, nèg obligé pas abriter yo. Et meilleur côté pour abriter yo c'est en blindé hein. Genre que nous capable yo rapidement retourner monter blindé mais a vite balle tout. Y a tiré balle tout. Y a tiré balle policier nous yo tout qui yo même t'a quitté appuyé dans de espace. Il y a en converti parce que ça me remarque dans vidéo qui n'a pas regardé là et un peu la vidéo et c'est comme si m'a dit que à chaque deux pas trois pas ouais un officier kenyan ou deux officiers kenyan ouais policier nous bonjour ça non désir oui. À chaque un pas deux pas officier kenyan yo ouais de policiers haïtiens qui donc opération déjà dit qui ça que c'est policiers haïtiens nous yo mélangé avec officiers kenyan pour mener opération en attendant que l'autre pays capoyer de l'autre officier policier soldat yo mais qui ça attire attention même si que officiers kenyan yo nèg yo prend baptême de feu yo ça veut dire c'est pour yo ouais que ça gagne comme problème non. C'est vrai aussi, il était au commencement, il était dit que il y a vinn délibérer grand axe routier nous yo, il y a vinn veiller bâtiment nous yo, mais comme à part la suite, les que d'après le temps des conférences conjointes, tête ensemble qui débat entre chef de délégation kenyan ensemble avec DG la police Ramon Amil, côté que d'après dit que non, il pral mener opération avec policiers haïtiens et vous pouvez respecter les principes humanitaires, les lois humanitaires, de même tout à respecter les principes, les lois et haïtiennes qui ont rapport avec protection des droits de l'homme. Et ouais, défini jeudi, alors je n'étais mercredi 17 juillet, n'est-ce pas déployé? Et ouais, là dit oui des casernes, ou dit grand oui, ou dit grand oui, et là dit grand oui, ou à quelques mètres de village de Dieu. Et pas oublier tout grand rue, dans le niveau rue des casernes, dans le niveau rue du centre, rue de la Réunion, c'est honoré. Et toute zone sa yo, c'était bandit ISO 5 secondes, et Tila appelé dans la ravine, et Cristal Antibois. C'est au contrôle des zones sa. Eh bien, le fait que officier kenyan yo, avec police haïtienne déjà déployé, et nèg yo mette pi yo atè nan rue des casernes nèg yo al wè sa gen en bas et pendant qu'y a mette pi yo atè yon coup bal démarré kounya nèg yo pral kounya comprendre nèg yo pral obligé comprendre zanmi internaut sa gen la al pa piti et si yo te pense comme si te konprann ti ba jwèt est-ce que sa krive jwenn mercredi yon comme pas professionnel dans question armurerie sécurité bagay sa yo est-ce que ça pas pral fait nèg yo réviser stratégie de sécurité yo est-ce que ça pas pral faire quel que soit la police à travers des Gérard Monamil et responsable troupe officier kenyan yo est-ce que ça pas pral permettre que nèg yo réviser nèg yo regarder plan de sécurité planification, quel que soit ta opération ou dis-moi ce que ta intervention. Et bien ça me dit. Parce que l'else opération, c'est bagay qui planifié. Mais l'else intervention, c'est comme quand on a dit que OK, on bagay la puis arrivé et puis fait ça faire. Bon, capable de trop grosse différence mais quand même opération planifiée, c'est ça qu'on est.
ça arrive jeudi mercredi 17 et 17 juin et juillet pardon. Est-ce que c'était une opération qui était planifiée par contre?